Je fête déjà parce que vous savez que la nouvelle peut paraître un étonnement pour certains, mais nous, les proches de l'artiste le plus historique et sans doute le plus magnifique de la musique congolaise, on n'est plus étonné parce que on était déjà informé depuis belle lurette de cette réalisation décorative que Rogaroga va recevoir. Donc ne soyez pas dans les illusions. Ce n'est plus que Rogaroga aurait. Non, non, non. C'est une véracité des faits. Rogaroga sera simplement celui que la République française va élever à un niveau culturel propice. Donc, bah, Congolais, beau fêter. Beau fêter parce que il y a aujourd'hui dans l'histoire de la République du Congo l'honneur qu'on va donner à ce grand monsieur, à ce musicien qui a toujours voulu que la musique du Congo ne puisse pas être dans les oubliettes, à Rosala Décoré. Alors, le Yeza musicien, les Mayeza chroniqueurs, ces pages qui ne savent que relater les avanies sur Rogaroga. Bonjour, décoration, quoi. Bon, si Kangana Mele, nous fêté déjà. Donc, merci à Roga. Longue vie à toi. Je ne cesserai pas de te soutenir parce que, il y a belle lurette, j'avais compris que tu es la brillance de la musique congolaise. Tu es sans doute aussi celui qui a su apporter un chamboulement dans la musicalité congolaise. Papa Batikayo. Mais, que c'est Zara Moko? Le faux manager, Itounet Imboa, le vilain qui parlait bêtement sur les réseaux sociaux. On va te décorer quand? Le faux musicien là, qui a même des difficultés pour mieux s'exprimer dans la langue de Molière. On va te décorer quand? Hein, les gens qui ne savent que barboter sur Rogaroga. On va vous décorer quand? Bon, mon histoire, réseau confond Bino. Bino Motobo, c'est comme malade à Rogaroga. Alors, son corps, cet enfant d'Afrique, qui vient redorer le blason du progrès de la musique africaine. Bon, mon indéni soit réseau condamné Bino. Et il y avait des Yeza qui n'ont su que ovationner cela. Les Mayeza qui n'ont su que partager ces bobards. Et honte, quand je vois même les pages qui viennent maintenant dire oh non, auré. Non, il n'y a plus de auré. C'est une véracité des faits, je vous confirme, on levait les aurés. Et ayez honte, ces pages qui ont partagé les bobards que les gens ont propagés sur Rogaroga alors qu'il était malade. Il n'y a pas le aurait. Rogaroga sera décoré par la République française. C'est une information qui date depuis longtemps. C'est parce qu'on ne voulait pas parler sur ça. Depuis quand là? Donc, Seigneur, au Père, ça y est, décoration. Maintenant, il y a une page à Mama Yeza. Les Congolais idiomatiques. Vous qui ne savez que propager des avanies lorsque ce grand monsieur est sans doute critiqué d'une manière ignoble. Et honte, pourquoi vous parlez de ça? Et comme il y aurait, il n'y a pas de aurait, il sera décoré et il restera le seul musicien de la République du Congo qui sera élevé à ce niveau dans l'art musical. Parce que dans la littérature, on a eu Sonny Labutansi, dont le nom est même déjà institué ici. Dans une ruelle d'une ville française. Mais awa na musique, il y a Congo. Après, tu as des citoyens Yeza comme ça, il va venir parler de Rogaroga. Tu as un Segram Piaka qui n'arrive même pas à remplir la salle de New Morning de 600 personnes, qui va venir dire, oh non, moi je suis le roi de la rumba. Tu es fou, toi tu peux être le roi de la rumba. Rumba, on n'y yoza na ngo, te comparer ngo na ipaka. Ne blague pas avec les gens. Hein. On a été ricané ici, voilà quelqu'un qui apporte la brillance culturelle à notre continent d'Afrique et vous voulez laisser des chenapans musicaux puissent relater des ignominies sur lui. Tala, faites attention, parce que je fête d'abord ce samedi ngana bino direct où je veux recadrer ces maïs là. Trop c'est trop. Bofinga motoloko la roga qui a fait voyager les gens, qui a fait voyager notre musique, qui a réussi à travers là. Vous, à travers la musique, vous êtes encore des gens remplis simplement de questionnements. Votre vie n'est pas
richissime, vous voulez manquer du respect à ce grand monsieur. Et comme il y a oré, son iné, je vous confirme, il n'y a pas de oré, il sera décoré. Les pages Mayeza qui insultent Roga, qui propagent les insultes sur Roga, vous commencez maintenant à avoir la crainte. Bon, mon iné, ils ont commis Sabino, il n'y a pas de oré. C'est une vérité de fait, je vous confirme, il sera décoré. Ne vous inquiétez pas, ce monsieur-là a été déjà décoré en République du Congo, donc pour l'État français, ce n'est même pas un étonnement. Quand on cite les grands musiciens de l'Afrique actuellement, on cite les Roga. C'est le seul qui a pu avoir Prumude en République du Congo. Oh, l'orchestre le plus connu du Congo. Oh, orchestre Yaba millionnaire. Deux fois échec, Nouvel Horizon. Devant une Gabonaise. Hein? Koki Kozoa, trophée en côté devant une Gabonaise. Des Mayeza comme ça. Et tu avais des Yeza qui venaient nous faire la criade sur les réseaux sociaux. Oh, Afara Tiena, je suis pas contre toi, Afara Tiena, parce que tu es la relève de la musique du Congo. Mais il faut recadrer ces Mayeza-là, qui veulent t'amener dans des polémiques babiolesques. Ce sont ces polémiques babiolesques qui ont poussé Tidiane Mario, le gonflé là, de monter maintenant sur sa scène musicale lors de son concert de Stade de Boué la nuit. Concert qui est prévu à 15h, au comme au matin, à 21h, Popomba Mbiaka. Hein? Respectez Roga. Donc arrêtez ça. Non, faut arrêter ça. Parce que quand vous venez manquer du respect à Roga Roga, c'est insultant. Quand vous venez ricaner sur sa maladie, c'est vouloir sa mort. Vous êtes des mauvaises personnes. Surtout vous qui partagez des trucs comme ça. Au lieu de recadrer des musiciens qui viennent relater des bobards sur un grand monsieur comme ça, aujourd'hui, Sonia Komo Zabino au Oré. Il n'y a pas de Oré qui sera décoré de Mayeza. Attendez, ça me dit qu'on a fait bien. Pour que vous puissiez comprendre qu'on ne peut pas continuer à vous faire des hurrahs. Vous dépassez les bornes. Quelqu'un qui a tant apporté culturellement à l'Afrique, vous avez des Yeza qui n'ont même pas pu apporter la moitié de ce qu'il a réalisé ou qu'ils ne peuvent pas l'atteindre la cheville. Vous êtes là en train de partager des avanies qui disent sur lui. C'est représente quoi dans le progrès musical de l'Afrique? C'est Rekal représente quoi dans le progrès musical de l'Afrique? Puisque vous voulez que les gens puissent être directs avec vous, on sera direct avec vous. Zarampo, il représente quoi dans le progrès musical de l'Afrique? Des Mayeza comme ça, ils viennent distraire les gens. Faut écrire maintenant dans les groupes WhatsApp. Moi, je vous prends à défi. Au lieu de ne savoir que faire les notes vocales, écrivez pour qu'on puisse découvrir votre niveau insidiontaire. Des Mayeza comme ça, vous voulez croire que c'est à travers les réseaux sociaux que vous serez connu. Il y a un Yeza là qui aime souvent parler bêtement sur Roga Roga. Dans un groupe WhatsApp, je lui ai simplement demandé d'écrire, mais fallait voir. Phrase Kakamoko, plus de 30 fautes. Et c'est des gens comme ça que les Congolais considèrent comme des défenseurs de la culture. Un Yeza comme ça, il va vous apporter quoi? Si déjà dans la langue officielle de la République du Congo, il ne peut pas mieux expliciter à travers l'écriture sa pensée. Apporter Bunoni, un Yeza comme ça, il va vous apporter quoi? Il ne connaît même pas mieux structurer la négation dans une phrase. C'est des gens comme ça que les Congolais suivent. Mais voilà pourquoi... aujourd'hui, la majorité des Congolais, ils ont un disible ironique. Ozoyo Kaye, tu te poses même des questions. Mais celui-là, il a quel niveau? Il parle comme un bombé. C'est triste. Hein? Donc, félicitations à Roga. Nganazo Mela déjà. Tu resteras la fierté de la musique africaine. Parce que ce que tu as réalisé, nombreux ne vont pas réaliser cela. Chers compatriotes, l'histoire retiendra que nous avons eu un compatriote éminent. Merci Jean-Claude Mabouana. Roga Roga est la vraie valeur sûre de la musique congolaise. Levan Valentin mérite également une médaille sur le travail que tu ne cesses d'abattre. Merci, 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 merci. De toute façon, moi je suis avant tout un culturel. Quand j'ai choisi de soutenir Roga Roga, c'était avec un cœur sincère. Parce que ça me faisait mal en tant que culturel qu'on puisse manquer du respect à ce grand monsieur qui a tant donné, qui a tant réalisé comme progrès pour la dignité culturelle de notre pays et sans doute du continent africain. Vous savez, dans la vie, n'attendez pas seulement que
les Occidentaux puissent élever des gens qui ont été des pionniers du chamboulement culturel de votre pays. Si vous attendez seulement que les autres puissent faire des acclamations envers ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice du progrès culturel de votre pays, sachez que vous êtes encore loin de comprendre même la structuration progressiste de la culture. Parce que les Occidentaux n'attendent pas que les Africains puissent apprécier Johnny Hallyday, que les Africains puissent apprécier Claude François pour dire que non, ça a été des grands musiciens. Donc, respectez Roga Roga. Ayez de la respectabilité envers ce monsieur. Ne prenez pas tout à la blague. Oh, c'est la polémique. La polémique stupide doit être combattue jusqu'à la mort. On ne peut pas être dans l'acceptation de la polémique stupide parce que c'est ça qui a rendu bête la majorité des Quinois. Aujourd'hui, les Quinois pensent même que parler comme Sankara, c'est défendre la culture. Non, c'est abêtir les gens. Et nous, on ne peut pas tolérer cela. Aujourd'hui, Roga Roga, pour moi, ce n'est pas un étonnement. Parce que j'étais déjà informé de cela. Donc, les gens qui sont dans les orais là, ça c'est la honte. C'est des gens qui partagent des bobards sur Roga Roga. Et pour moi, je vous le dis sincèrement, ne taguez pas mon nom bêtement. Parce que moi, je ne suis plus les pages Mayeza. Donc, quand vous êtes amis avec moi, il faut faire très attention. Déjà, je vous redis encore, il y a des gens que je veux enlever. Je vous avais dit, si une semaine, tu ne fais que des stories où tu ne plébiscites pas la musique congolaise ou la République du Congo, je dois te bloquer. Parce que je trouve anormal que des gens puissent même faire des stories Instagram, Facebook, TikTok, sur les chansons de Dieu de la RDC. Alors que chez nous, nous avons aussi des chansons de Dieu. Faites très attention. Donc ne taguez pas mon nom bêtement sur ces pages Mayeza. Ce sont ces pages-là qui contribuent à la polémique stupide. Parce que moi, je ne peux pas comprendre des gens qui viennent se moquer de la maladie de Roga Roga. Vous partagez ces vidéos-là. Vous n'avez même pas le toupet de les recadrer. On est sous polémique. On est commis bouzoma. On est commis, par exemple, malédiction. On est commis simplement concrétisation. Il y a prophétie. Il y a président Philbert Youlou. Oh, il y a l'obat qui dit qu'un jour on va applaudir les fous. Ça, c'est l'applaudissement de la folie. Donc, les amis Mayeza, là, je veux vous bloquer. Ne taguez pas mon nom bêtement. Donc, je suis en train de vous surveiller. Une semaine encore, vous avez dit que la story n'a pas de il y a pas Fali, il y a pas Ferré, oh, il y a pas Moïse Mbi. Sans que vous la story n'a pas de il y a la République du Congo. Je veux te bloquer. Voilà. Parce qu'il faut être maintenant patriote culturel. On va être patriotiquement culturel. Si tu n'es pas patriotiquement culturel, on doit te bloquer. Pas de pitié. C'est comme ça. Parce que les autres n'ont pas de pitié pour faire la promotion que de leur musique. Maintenant, si vous êtes dans les émotions bête là, il faut aller faire ça chez les Quinois là-bas. Pas chez nous. Donc, c'était pour vous informer. Bon Zalanaï Sengo, bon mêlé. C'est une véracité des faits. Roga Roga, c'est la valeur sûre du progrès culturel d'Afrique. C'est l'enfant béni du Congo. Donc, les Mayeza là, qui ont voulu barboter sur lui. On attend maintenant votre décoration. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas vous bénir. Vous êtes entouré de gens qui sont des sorciers, des futurs anges déchus de l'enfer. Parce que Bino, pour la majorité, quand vous allez mourir là, vous allez aller en enfer. Parce que comment Motoro Seka, maladie, et à moto. Comment moto, au coquille qu'on manquait respect à Roga Roga, moto à Sala et Bélé, au respectant hier, parce qu'aujourd'hui, à l'avènement des réseaux sociaux, tu veux lui manquer du respect, pose-moi ma vue. Mais c'est là qu'à la Soukawap, un Yéza comme ça, à Soukawap, il est parti conquérir, soi-disant, une salle mythique, non? New Morning. Même pas 100 personnes, salle 600 personnes. C'est pour vous dire que Dieu va vous confondre. Et l'histoire finira par révéler que tous ceux qui ont manqué du respect à Roga Roga, vous serez simplement dans les oubliettes. Nombreux vous êtes dans les oubliettes. Nombreux vous êtes dans les oubliettes. Bon, comment les lots? Oh non, les vannes avaient raison. Oh, ne taguez pas mon nom bêtement. Je vous dis, faites très attention. Surtout sur les pages des Mayeza là. Ne taguez pas mon nom bêtement. Parce que moi, je ne suis pas ami avec les Mayeza. Donc, aujourd'hui, il faudrait que vous puissiez comprendre que cette bonne nouvelle est une nouvelle que tous ceux qui ont cru à Roga Roga, tous ceux qui ont supporté
Roga Roga. Tous ceux qui ont été insultés, diabolisés, barbotés et simplement aussi critiqués bêtement parce que votre choix sur Roga Roga était si immense, vous devez fêter. Vous devez fêter. Donc, à nos autorités de comprendre que Roga Roga, même si vous l'avez décoré, il mérite même une ruelle. Parce que Roga Roga, tout ce qui a été, potopesa et moi, ruelle. Il mérite même une avenue qui doit porter son nom. Pour n'avoir même palais de congrès, on a photo changé en combo. Photo pesa en palais culturel Roga Roga. Photo changé. Roga Roga mérite moi avenue, moi, boy, moi, ruelle, moi, boy, ou moi, structure, moi, culturelle, où il faut porter comme on a eu. Parce qu'il a trop donné. Trop donné! Merci à Roga. Bakalaming était aux Okutana. Mon frère Mongo. Tomele, Nazo me l'a déjà champagne, hein? Tomele, quand on vous dit de faire le bon choix dans la vie, vous vous suivez les gens qui ne savent que barboter les Congolais. Hein? Bah ouais, ce qui va vous apporter, quel prix? Un 100% maïeza comme ça, il va vous apporter quel prix? Ces gars-là, la même la bino, quel prix? Motabino, ça va rumba, barumbe, betagana, famille, naye, même la karaté, naye, yébanité. Vraiment les Congolais, c'est pitoyable, c'est pitoyable. Vous n'avez même pas la culture de mieux disséquer la grandeur de quelqu'un qui a pu apporter un chamboulement de la musicalité congolaise. Respectez Roga Roga, au lieu de ne savoir que faire des polémiques pour exister à travers ce monsieur. Lui n'a pas eu besoin de ça. Des maillésans comme ça, ils sont en train de taguer mon nom. Respectez mon nom, hein? Ne taguez pas mon nom dans les pages maillésans. Moi, j'ai pas besoin de ça. J'étais déjà informé depuis longtemps. Roga sera décoré par la République française. Donc, pour moi, ce n'est pas un étonnement. Donc, les pages maillésans, là, ne dites pas auré. C'est une vérité de fait. Confirmez. Makamaba auré exaté. Mais comme vous avez maillésans, vous partagez ma vidéo dans maillésans, vous pèsez visibilité dans ma maillésans. Et comme il a bien donné soli. Moto, azomi ben a manager ata musicien mon côté au ebino boye bivina ye bonga. Mais bête que vous êtes, vous venez sur les réseaux sociaux. Oh, c'est un manager. Tu vas lui demander, mais il est manager de quoi? Il a managé quoi? Il a changé la vie de qui? Est-ce que, à ça là, oh, moi, n'a motozo, mon n'a pas fait rego là où y a pas fali? Exacté. Mais comme le Congolais aime ceux qui sont des impressionnistes. Oh, il est manager, il est producteur. Mais il a déjà fait quoi? Quel est le rendement de son travail? Il n'y en a pas. Kaka broa virtuel. Moninga le 25 à Wazo Beta, na poto, Fali Poupa. Pona le Koumou ya RDC. Bango sa la polémique ya Bouzoba, parce que baza, la ba musicien est belé. Biso to sa la polémique ya Bouzoba, toi na ba musicien est belé. Bango se kabino. Vous croyez que ce monde là, c'est parce que tu te dis Congolais, que le Congolais de la RDC est aussi ton compatriote. Non, on est que des voisins. La victoire de Fali sera pour la RDC. Ça ne sera pas pour la République du Congo. Mais la victoire de Roga, ça sera pour la République du Congo. Wana photo d'Ondo. Donc, respectez Roga. C'est triste. Hein? Colère de qui? Colère de quoi? Un recadrage de la sorte était nécessaire parce que vous savez très bien que beaucoup de gens pense que dans la culture, on est tous identiques. C'est une fausseté. Aujourd'hui, je crois que il faudrait qu'on puisse dire la véracité des faits sans embâge. Roga, félicitations. Merci pour le Koumou Yamboka, Oyozo représenté Nae Sengo. Merci pour le Koumou Yafrique, Oyozo représenté énormément. Nzambea Batelayo Yaya. Bazoba oyo, basega kayo yaya. Bazoba oyo, bafinga kayo yaya. Yomogo loba, batambola nanzambi. Comme le nom de Dieu, c'est le temps a fini simplement par clouer encore ces gens-là dans la honte. Tozo zwa décoration française. Yeah! Toebisa gibino, Noki a gagné jamais. Ata, ba pesiye moi, mito a gagné. Souka souka match ndoki a perdu kaka.
Donc, binomo de choisir koya bandoki ya ofinga moto koya zo tombwama. Selon volonté ya Nzambe. To se gaga bino hein. Meto mele. Maman Berthe. To mele. Donc merci Elenga, merci la patronne Gaël Batikayo, la femme en question. Merci aussi à toutes ces personnes qui n'hésitent pas de m'écrire en inbox pour me soutenir et qui n'ont pas hésité d'acheter mon livre aux femmes, les beautés immortelles. Ngape bakala mingi te bozo zoa. Nouvelle Gitogo. Poto koleka maintenant na ba passage médiatique des Occidentaux. Pour comprendre qu'il faut côtoyer les bonnes personnes pour que ta vie aussi puisse avoir un bon progrès, pour que ta vie puisse avoir un chamboulement magnifique. Merci Nabino, Zambabate Labino, on est ensemble, Tomela, fêtons, fêtons, fêtons. Donc on a Zomela, on me l'a déjà parce que ce n'est pas une illusion, c'est une véracité de fait. Il sera décoré par la République française, dont vous savez très bien, et dans la promotion de ne savoir que mieux valoriser ceux qui ne savent que apporter leur pierre à l'édifice du progrès culturel du monde. La France est un pays de l'art, et ici les artistes sont respectés. Roga Roga est un artiste éminent, respectable et sans doute louable pour le progrès culturel de l'Afrique. Tomela, Monsieur Parfait, Moté. Allez, on est ensemble, Kevin. Ya Gimbongo, Batikayo, Yaya, mon frère, faut boire. Maman Bête, faut mêler. Parce que c'est la culture congolaise qui est simplement ovationnée. C'est